Bonjour et bienvenue au Salon des entrepreneurs Marseille-Provence. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Soly, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Facebook France, je vais y arriver, pardon. Alors, on est ici au Salon, chaque année finalement vous êtes de plus en plus présent. Comment Facebook peut accompagner et aider les entreprises à se développer ? La révolution digitale, elle concerne toutes les entreprises de tous les territoires et les entreprises, quelle que soit leur taille, leur origine et leur métier. Donc le message que l'on vient donner ici à Marseille, c'est la révolution digitale, c'est votre sujet, c'est une opportunité pour le développement de votre entreprise. Et c'est très important aussi, je crois, de venir avec une équipe très nombreuse de Facebook dans les régions, sur le terrain, rencontrer les entrepreneurs, les TPE, les PME, les startups de l'écosystème digital marseillais et de la région, pour leur dire cette plateforme, cet outil, il est pour vous. Il est utilisé par 45 millions d'entreprises dans le monde. Utilisez nos produits, nos outils et vous allez ainsi vous développer à l'ère digitale. Alors justement, si concrètement on définit ces outils, ça représente quoi ? Comment ça fonctionne ? D'abord, on encourage les entreprises à créer une page. Une page, c'est comme on faisait un site web il y a quelques années. Donc une page sur Facebook. Et cette page vous permet d'être en communication, en connexion avec les gens qui comptent pour votre entreprise, vos clients, vos prospects, votre région, votre zone de chalandise. Et une fois que vous avez créé cette page, je rappelle que c'est gratuit, vous utilisez des produits de communication. D'abord, faire connaître votre entreprise, faire connaître votre produit, parler aux clients que vous connaissez, parler à votre rayon autour de votre boutique. On peut désormais, avec Facebook, cibler autour du kilomètre de votre boutique. Donc vraiment sur une zone de chalandise extrêmement précise. Et puis on peut aussi construire une relation qui va jusqu'à l'acte d'achat, soit en amenant des clients dans sa boutique, dans son entreprise, ou en développant son commerce en ligne. D'accord. Alors, et ici aux entrepreneurs, au Salon des entrepreneurs, ça se traduit comment concrètement ? Nous avons un stand où nous délivrons des séances d'explication, de formation, du coaching. Je crois que depuis ce matin, j'ai fait le compte avec les équipes, il y a 250 personnes qui sont passées. Et la question est toujours la même. Et d'ailleurs, c'est intéressant, la question n'est plus « est-ce que le digital, c'est pour moi ? Est-ce que Facebook, c'est pour moi ?» C'est « comment je fais ?» Comment je dois faire ? Est-ce que ça marche sur mobile ? Comment je peux investir pour faire de la publicité sur mes produits ? Comment je peux géolocaliser ma communication ? Ce sont des questions de plus en plus concrètes et les équipes qui sont ici à Marseille font beaucoup, beaucoup de séances dans notre stand pour expliquer, former et avoir cette consultation au plus proche. C'est important pour nous parce que Facebook, pour chacun d'entre nous au quotidien, c'est une grande plateforme digitale. Donc l'incarner par des hommes et des femmes qui sont ici, ça prend beaucoup de sens pour les entreprises. Alors on le voit, l'entreprise est finalement est venue au cœur de la stratégie de Facebook. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui au niveau groupe, au niveau mondial ? Ce sont les entreprises qui participent au business model de Facebook parce qu'elles investissent, les grands annonceurs, les grandes entreprises qui veulent finalement communiquer là où sont les personnes qui comptent pour elles. Facebook dans le monde, c'est 1,5 milliard de personnes qui l'utilisent. Donc évidemment, toutes les entreprises, depuis, j'allais dire presque la nuit des temps, ont toujours voulu communiquer avec les personnes qui sont utiles pour leur modèle économique, pour leur commerce. Eh bien aujourd'hui, elles le font sur Facebook. Et nous, notre travail, c'est d'expliquer, d'apporter ces outils et puis d'apporter la performance. Parce que ce qu'une entreprise recherche, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité de son investissement. Et il y a des exemples ici à Marseille, dans toutes les régions de France, absolument étonnants, d'entreprises qui se sont saisies brillamment de ces outils, brillamment de la plateforme et qui investissent et qui développent leur chiffre d'affaires. Très bien, on invite tous les entrepreneurs à se rendre sur votre stand. Sur le stand de Facebook, il y a une équipe formidable qui est là depuis hier, qui est très occupée depuis ce matin. Ils sont là pour vous renseigner, pour vous expliquer et finalement pour faire de Facebook ce qu'est Facebook, un réseau pour l'entreprise et pour son efficacité. Laurent Soly, merci beaucoup. Merci à vous.